Alors, coup dur, on a trois annulations aujourd'hui en Formule 1. Les Grands Prix d'Azerbaïdjan, de Singapour et du Japon sont tout bonnement annulés. Trop de difficultés dans ces pays. Bon, en même temps, Azerbaïdjan et Singapour, ce sont deux courses en ville. Donc, honnêtement, c'était pas une surprise hein, qu'ils soient annulés. Le Japon, un peu plus, par contre. Comme nous vous le rapportions ce matin, la F1 a validé l'annulation des trois Grands Prix supplémentaires au calendrier à cause de la pandémie du Covid. On savait son annulation imminente et le Grand Prix d'Azerbaïdjan de F1 n'aura pas lieu en 2020, tout comme le Grand Prix du Japon et celui de Singapour. Alors, l'information est désormais officielle. Baku, Singapour, Suzuka, Rangoon, Melbourne, Monaco, Le Castellet-Zandvoort sur la liste des courses annulées cette année. La F1 a en effet mis en place de nombreux protocoles d'isolement des équipes dans les hôtels autour du circuit et de limite du nombre de personnes présentes dans le paddock et autour. Mais la F1 justifie cela dans un communiqué par différents défis rencontrés par les promoteurs dans ces pays. À Singapour et en Azerbaïdjan, les longs délais requis pour construire les circuits urbains ont rendu la tenue de ces événements impossible et au Japon, les restrictions sur les voyages ont mené à la décision de ne pas tenir la course. Nous sommes conscients qu'il s'agit toujours d'une période d'incertitude et de complexité dans le monde entier et continuerons de veiller à ce que nous procédions pour gérer la saison 2020 de manière prudente et flexible. Nous avons mis en place des plans de sécurité détaillés et robustes pour nous assurer de commencer notre saison de la manière la plus sûre possible. La question se pose désormais pour la dernière course urbaine encore non annulée, celle de Hanoï. Le premier Grand Prix du Vietnam de l'histoire a été reporté, mais le circuit se tenant dans la capitale vietnamienne, le problème pourrait se poser, bien qu'il soit semi-permanent et que les délais de construction soient moindres. Ouais, à mon avis, c'est pas très très bien parti pour le Grand Prix du Vietnam aussi. Je serais pas surpris qu'il soit annulé. En revanche, la F1 se veut rassurante quant à l'établissement d'un calendrier suffisamment long. Nous avons fait des progrès significatifs avec les nouveaux promoteurs et ceux existants sur un calendrier révisé. Nous avons été particulièrement encouragés par l'intérêt montré par de nouveaux lieux voulant organiser une course de F1 durant la saison 2020. Parmi ces nouveaux lieux, le Mugello semble avoir gagné sa place pour la saison 2020. Ça, c'est dingue. Il pourrait d'ailleurs être à la 9e manche de la saison juste après Monza. Il est également possible que la F1 retourne à Imola pour la première fois depuis 2006. Franchement, ce serait une super saison hein, s'il y avait Mugello qui revient, Imola aussi. D'ailleurs, Mugello, il me semble qu'il n'y a jamais eu de Grand Prix hein, de F1 au Mugello. Il faudrait vérifier, mais il me semble que c'était juste un circuit d'essai. Hein. Imola, par contre, il y a eu beaucoup de Grand Prix et c'était un circuit plutôt sympa. On parle aussi de retour d'Hockenheim, donc qui n'était pas prévu cette saison, mais au final qui pourrait avoir lieu. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ça s'annonce intéressant cette saison. Avec pas mal de courses annulées, mais au final des courses inédites qui reviennent. Ciao!